précédent, nous avons fait une mission de combat. Alors, je sais plus le nom précisément, donc on va aller tout simplement voir tout à l'heure. Mais avant, on doit scanner les amiibo. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement, au cas où, débuter un nouveau scénario, en tout cas le scénario de Rivali, plus précisément. Donc, écoutez, les amis, c'est parti. On va tenter de découvrir ce nouveau scénario, mais avant, on va scanner les amiibo. Peut-être pour, on va peut-être pouvoir obtenir un truc qui permet d'avancer un petit peu sur la carte, tout simplement. Sur la carte. Ouh, il fait très jour d'un coup. D'habitude, il fait nuit quand je démarre le jeu, mais là, il fait jour. Pourtant, il fait nuit chez moi, mais je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Alors, vous avez reçu une récompense amiibo, 20 flacons d'épices gourmands. Ça, c'est bien. On continue. Vous avez reçu une récompense amiibo, 2 topaz bruts. Ok. Je regarde si j'ai peut-être pas... Je vais tenter de scanner que les amiibo prodiges pour aujourd'hui. Honnêtement, j'aimerais bien tenter... Voilà, il y en a une déjà. Vous avez reçu une récompense amiibo, 2 gemmes Nox. Bon, ouais, enfin, on s'en fout, donc, du coup. On va plutôt scanner n'importe quoi. Vous avez reçu une récompense amiibo, 5 fleurs silencio, 5 truites silencio et 5 sauterelles silencio. Et enfin, la toute dernière, tout simplement. Et voilà, vous avez reçu une récompense amiibo, 10 sabots de Linel. Quoi? 10 sabots de Linel? J'ai bien vu ce que j'ai vu, c'est moi. Ok, d'accord, on vient de niquer le game. Bon, par contre, à mon avis, je pense qu'on peut quand même rien faire. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, voilà, nous avons fait un des missions de combat, mais je sais même plus lequel. Je crois que c'est saisir et relâcher, mais je n'en suis pas sûr. Ah non, je crois que c'était ça. Épreuve basique du feu, je sais même plus. On avait fait en tout cas une des missions de combat. Alors par contre, en termes de mission d'Hyrule, à mon avis, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Rien. Il manque toujours ici le saumon et le watermelon. Hein. C'est un truc de dingue. Quant au Laura, ce putain de saumon, il va bien nous faire du bien, je vous le dis. Là, il nous manque l'insecte, insupportable. Là, il nous manque toujours le truc armo, aussi insupportable. Et là, la viande, insupportable. Bon, bah écoutez, on va continuer, hein, aujourd'hui. Alors, le but aujourd'hui, tout simplement, c'est de, après avoir fait tout simplement le scénario Mipha, donc c'est pas ici, c'est, voilà, Mipha, la princesse Zora, ensuite que nous avons fait Daruk, le héros Gouron, nous allons aujourd'hui faire, tout simplement, dans l'ordre, Rivali, le guerrier Piaf, dans lequel niveau conseil 6, donc on est très bien. Alors on peut sélectionner n'importe quoi, hein, on va sélectionner une passe, ça fait... On la prend jamais, donc il faut vraiment tenter un peu de changer un petit peu les persos. Et on va tenter tout simplement de commencer ce scénario. Alors, est-ce que vraiment on se met un truc? J'en vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt, c'est ça qui est ouf. Donc ça sert à rien, pas besoin de se donner un bonus alors qu'on est large en termes de... Il y a une cocotte, normal. Ok, il y a une cocotte normale. Il y a une cocotte normale. Bon, bah du coup, là, il va y avoir le petit roi d'Hyrule qui va parler. Vivent dans un village aux confins de Tabanta. C'est un peuple aérien, muni d'ailes qui lui permettent de parcourir les cieux et qui excelle au tir à l'arc. Le fier Rivali est le plus talentueux des guerriers Piaf. Accompagné de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule au village Piaf. Pour lui demander de piloter Vamedo, la créature divine du vent. Vamedo! Ah oui, la créature divine qu'on devra piloter. Par contre, je ne me suis pas renseigné sur les Korogos. Je vais juste voir le nombre, hein, comme d'habitude. Je crois qu'il y en a 9, mais j'en suis pas sûr. Par un violent blizzard, Link conduit Zelda en lieu sûr, puis part explorer les alentours. Mais. Alors, c'est chapitre de Tabanta, frontière, Korok location. Donc, il y aurait 8 noix Korogu ici, d'après ce que dit le IGN. Ok, je regarde pas les positions, c'est pour ça que c'est là je me suis vite enlevé. Alors, c'est parti. J'ai écouté, ne vous inquiétez pas ce qu'a dit le petit honnêtement, comment tu veux le prononcer? Rondradimus, je sais même pas déjà comment il s'appelle déjà. Alors déjà,
pour le prononcer, ça va être un peu compliqué. Je sais vraiment pas comment il s'appelle, je m'en souviens plus. C'est un truc comme ça, mais je m'en souviens vraiment plus. Vasranenus, je crois, mais une connerie comme ça. Rivali, guerrier Piaf. Aussi longtemps que je serai en vie, je ne te laisserai pas mettre un pied dans le village Piaf. Wow, ok. Le petit jump square. Ah non, avant, il faut les arrêter. Ok, 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 mais avant de les arrêter, j'aimerais juste voir. Voilà, s'il n'y a pas des petits noix Korogu, hein. Parce que là, il y en a 8, hein, donc... s'il y en a 8, il faut bien les trouver, hein. Sachant que la zone, par contre, elle a l'air plus petite que d'habitude. Voilà, attends, par exemple, là, il y a de l'obscurité, il peut y avoir des noix Korogu. Donc là, vraiment, il faut chercher aussi les noix Korogu, hein. Donc on va tenter d'y aller, on va tenter d'y arriver. Surtout tenter d'ouvrir les yeux, c'est important. Genre, par exemple, ici, il y a un cul-de-sac, voilà. Voilà, ça c'était donné. Le premier noix Korogu sur les 8. Parfait. C'était entièrement donné. Oh, on va affronter des piafs. Ok. C'est très chelou, mais on va affronter des piafs. Honnêtement, j'aimerais bien prendre... Voilà, Impa. Parce qu'il faudrait quand même aussi l'augmenter de niveau. Et surtout, utiliser un minimum ce personnage. Ok. Hop, dégage. Boum, 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 boum. Voilà. Merci. Tac. Boum. Merci. Ok. Alors là-bas, il y a un cul-de-sac aussi. Donc, est-ce qu'il y a une noix Korogu? Je ne sais pas. Donc, on va aller voir. Déjà, il y a un truc en rapport avec le vent. Donc, bah attendez. On peut monter? Comment on fait? Planer. Oh. Oh. Nouvelle zone. Ok, bon, il y a un coffre. Il n'y a pas de noix Korogu, mais il y a un coffre. Offre super exceptionnelle, accomplissable. Saumon max. Oh, enfin du saumon. Oh, dites-vous que ça va me faire du bien, parce qu'on en a vraiment besoin. Chaque fois on en a besoin. Bah là, on va pouvoir compléter plein de choses de la carte, je vous le dis. À mon avis, on va pouvoir faire un épisode progress map. Laissez tomber, quoi. Ok. Tac, tac. Merci. Allez. Boum, 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 boum. Enchaîné. Voilà. Boum. Ok. Hop. Ok. Merci. Hop. Ok. Merci. Voilà. Boum. Attendez, il n'y a pas de noix Korogu ici? En fait, c'est une zone un peu trop vide à mon goût, là. Non, hein. Sachant qu'il y en a 8, donc il faut vraiment les trouver. Allez, hop. On les nique, on les nique, on les défonce. Par contre, attendez. J'ai besoin juste de voir... Ça, c'est parfait, ça. J'ai juste besoin de voir... comment ça s'appelle? Les... options. Tutoriel? Non. J'ai juste besoin de voir les instructions de... Attendez, comment on fait pour voir... on peut pas voir... champ de bataille, allié, Impa... On peut pas voir... comment elle peut se battre. Ah si. Les doubles sont absorbés les symboles et pour porter ensuite un coup fatal très puissant. Ah d'accord, ça permet pour le coup fatal très puissant. Putain, il faudrait que je lise aussi de temps en temps. Ok. Boum. Ok, on continue. On continue, je regarde un petit peu s'il n'y a pas des noix Korogu, hein, parce qu'il peut y avoir des noix Korogu de partout. Ok, alors ça c'est très fort. Oh, regarde ce qu'il y a en bas. Non mais vraiment, tu te fous de ma gueule. On peut planer. Non mais mon gars, tu te fous de ma gueule. Le pont du village Piaf a été détruit. Oh, c'est pas non plus dramatique, non? En plus, il y a un phare à prendre là. Il y a peut-être Piaf apparaît sur le... Ah! Oui, mais d'abord, j'aimerais juste prendre ce fort-là, en fait.
Hop. Voilà. Merci. Hop. Merci. Voilà, le but c'est d'arriver à voir l'ennemi pour avoir le coup fatal. Le problème c'est qu'elle est pas très forte en fait. Ok. Ok. Ah bah on n'a pas eu le temps malheureusement. Ok. Oh là là, doucement par contre. S'il te plaît. Merci. Bon bah toi t'es mort, par contre là tu fais chier. Allez, boum. Ça c'est fait. Elle est pas non plus très forte hein. Oh oui, par contre on obtient plein de choses. Ça j'adore. Pas de noix Korogu. Encore. Tant je cherche hein, vraiment je cherche. Ok. C'est bon? Bien. Allez, on va pouvoir... on va pouvoir continuer. J'adore cette musique. Honnêtement, cette musique, ce paysage est aussi magnifique. Il est vraiment magnifique. Ok. 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 On fait vraiment pas ouf de dégâts. C'est un truc de dingue. Avec ce perso, on fait vraiment pas ouf de dégâts. Tac. Ok. J'espère que Link s'en sort. Hein. Normalement, il devrait s'en sortir. Ouais, il s'en sort, ça va. Il s'en sort même comme un chef. Bon, en même temps, level requis, ça me fume. S'il s'en sortait pas. Par contre, avec Impa, on fait vraiment que dalle en attaque. Et ça, ça fait chier. Oh, par contre, le Capitaine Piaf. Merci. Ok. Hop. Donc. Merci. Attention. Allez, viens. Merci. Et parfait, on va pouvoir le défoncer. Ça c'est fait. Ah, on débloque aussi la suite. Ok. Oh, c'est génial. On va vraiment de plus en plus haut comme ça. Oh, c'est génial. Oh, j'aime énormément par contre ce vraiment, j'adore ce scénario. C'est un concept très original. Même je trouve plus original que les deux anciens. Genre là, tu dois faire quelque chose. C'est juste génial. Honnêtement, c'est juste génial. Ok. Tac, tac, tac. 200. Ok. Avec Polaris. Oh, Oris. Boum. Oh oui, avec Oris. On attend. Merci. Ok. Merci. Hop. Eh bah alors. Merci. Alors là, on va pouvoir tout défoncer, je vous le dis. Oh, doucement. Ok, ça c'est fait. On a toujours pas de noix Korogu, hein. Il nous en manque. Enfin, il nous en manque 7 quoi. Ça fait peur hein. Il nous en manque 7 alors que nous avons bien. Au moins fouillé bien 20% de la. 10% de la zone. Ouais, 20% de la zone. Merci. Donc ça peut être de partout aussi. Hein. On se souvient, il peut y avoir un truc qui brille au dernier moment, comme on l'a vu dans le scénario précédent. Donc là, il peut y avoir des trucs derrière, par exemple, ici, rien du tout, rien du tout. Ok, on continue. Planer. Ok. Ok, là, y'a rien. Tac. Boum. Putain, c'est génial. Honnêtement, ce scénario, il est génial. Alors, certes, j'utilise pas Link et tout. On fait pas les choses normalement, mais... Ah, bah, après, Link... Oh, non, Link, honnêtement, ils peuvent venir avec nous. Hein. Mais, enfin, si, je fais les choses normalement, parce que le but, quand même, c'est d'augmenter nos persos. Donc, on utilisera Link quand en ultime secours. Là, il faut vraiment augmenter ce perso aussi, donc... voilà, quoi.
Par contre, on a vraiment pas d'autres noix Korogu. Ok, bon bah si tu veux, hein. Si tu veux. Il nous en manque toujours un nombre incalculable, mais... Mais enfin. Il nous en manque 7, hein. Tac. Donc là, déjà on a vu qu'il y avait déjà une fleur, enfin, on a déjà pris la fleur. Donc logiquement, il est fort probable que la prochaine fois ce soit aussi une fleur. Ça a l'air d'être le... Oula, ça a l'air d'être le... On va dire le truc du... le thème de ce scénario. Ok, d'accord. Il nous bombarde. Ces enfoirés nous bombardent. Ok. Hop. Ah, sachant que là, ça peut être de partout en plus. C'est ça qui est pire, c'est que la noix Korogu peut vraiment être de partout. Doucement, par contre. Hey, oh, 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 oh. On va se calmer quand même. Hein. Ok. Hop. Voilà. Merci. Et putain, je vais y arriver. Voilà, attention. Tac, tac. Boum, boum, boum. Putain, c'est génial, honnêtement. C'est génial. Bon, elle est bientôt niveau 12. Au moins, elle sera un peu plus puissante que d'habitude. Parce que là, honnêtement, elle a du mal, la pauvre. Pas de noix Korogu à l'horizon. Ah là, il nous en manque, ça me fume. Il nous en manque tellement. Vous pouvez pas imaginer. Il nous en manque tellement. Il nous en manque 7 là. Non, non, le premier vraiment te met à la laine. Il va te dire, oh, ça va être facile. Bien sûr, ça va être facile. Après, on en a même pas, on en a même pas obtenu la deuxième. On est même pas au quart en plus, c'est ça le pire. On était au 2, bon, on s'est dit quart. Si on obtient le quart, c'est bien, mais là on n'obtient même pas le quart, quoi. C'est ça qui est vraiment dramatique dans l'histoire. Ok, par contre, toi... Oh là. Ok. Ok, boum. Merci. Hop. Ok. Merci. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Eh ben voilà. Succès. Nickel. Merci. Petit cerf de Cocorico. Pas de noix Korogu ici. Pas de petit noix Korogu ici. Eh ben putain. Ça va être... Ça va être génial les noix Korogu, non? Il y a un truc là, ma foi, je sais pas. Allez, go! La porte s'est ouverte normalement en bas. Niveau 12, bon, parce que là, il le faut. Merci. Champigag là. C'est bon? Allez, go! On va pouvoir redescendre. Rechercher de partout, de toute façon, vraiment, on n'a pas le choix. Ok, la porte s'est ouverte. La porte est ouverte. En plus, on va pas tarder à s'arrêter. Bébé face à une paroi ce mural. Ok. Pourquoi il nous dit maintenant? Attendez. Hop. Ok. Je sais pas pourquoi il nous le dit, mais bon, écoutez. Pourquoi pas, je les crois. Alors là, c'est le truc qu'on a déjà ouvert. Pas de noix Korogu. C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. On n'a récupéré qu'un seul, quoi. Qu'une seule, quoi. Parce que là, c'est de là où on vient, oui, donc... ça me fume. Il nous en manque tout autant. Allez, on peut aller de l'autre côté? Non, même pas, on peut pas aller. On peut vraiment pas aller là, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi ils nous disent qu'il nous en manque autant, parce que... Ma foi, je sais pas. Là, il y a une grande zone. Genre, il y en a pas dans cette grande zone. Ce serait de se foutre de la gueule du monde, non? Genre, dans tout ça, il y en a pas une. J'y n'y crois même pas une oreille. Euh...
Genre, vraiment, il n'y en a pas? C'est une blague. Je le crois, je crois au jeu, hein, ne vous inquiétez pas, mais... Mais bon, ça semble très suspect quand même comme, comme démarche. Ah, là, il y en a une deuxième, déjà, bien visible. Et on va pouvoir s'arrêter là. Hein. Bon, elle est bien visible, celle-là. Allez, go, on va pouvoir s'arrêter là, les amis. Bon, on a récupéré notre deuxième. Peut-être, après, ça va s'enchaîner. Hein. Ça va peut-être s'enchaîner. J'espère que cet épisode, les amis, vous aura plu. On continuera tout simplement notre aventure sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau, dans l'épisode prochain, hein, l'épisode numéro 28. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.